Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous faire l'exercice. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2 plus l'infini, par la première question, calculer les limites suivantes. D'où la limite df en plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini. Df de x égale limite quand x tend vers plus l'infini, x moins 3 racine de x. Et au voisinage de plus l'infini, f de x égale x moins 3 fois racine de x égale la limite de la fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini, ou la limite de la fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de la fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. Car limite de x moins 3 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, ou la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x égale plus l'infini. On se fout d'abord la limite de f au moins pi sur 2 plus limite quand x tend vers moins pi sur 2 plus df de x égale limite quand x tend vers moins pi sur 2 plus sinus de x sur 1 plus sinus de x. Sinus de x sur 1 plus sinus de x. Il y en a au voisinage de moins pi sur 2 à droite. F de x, c'est sinus de x sur 1 plus sinus de x. La limite de sinus de x en moins pi sur 2 plus, c'est moins 1, car sinus de moins pi sur 2 en moins 1. Donc la limite de 1 plus sinus de x en moins pi sur 2 plus, c'est 0. Et comme sinus de x est toujours supérieur ou égal à moins 1, alors sinus de x plus 1 est toujours supérieur ou égal à 0. Idem, la limite de 1 plus sinus de x au moins pi sur 2 plus, c'est 0 plus. Donc la limite de la fonction au moins pi sur 2 plus, c'est moins l'infini. Égal moins l'infini, car limite quand x tend vers moins pi sur 2 plus, de sinus de x égale moins 1, limite quand x tend vers moins pi sur 2 plus del 1 plus sinus de x égale 0 plus, car quel que soit x appartient à R, sinus de x est supérieur ou égal à moins 1. On chauffe d'abord la troisième limite, la limite de f de x sur x en plus l'infini. F de x sur x égale limite quand x tend vers plus l'infini, x moins 3 fois racine de x sur x égale limite quand x tend vers plus l'infini, x moins 3 sur x, il y a x sur x, il y a 1, moins 3 sur x, fois racine de x, égale, la limite de la racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, la limite de moins 3 sur x en plus l'infini, c'est 0, donc la limite de 1 moins 3 sur x en plus l'infini, c'est 1, donc la limite de la fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. Car limite quand x tend vers plus l'infini, 1 moins 3 sur x égale 1. Limite quand x tend vers plus l'infini, racine de x égale plus l'infini. Deuxième question, étudier la dérivabilité à droite et à gauche de f en 0, puis donner une interprétation géométrique des résultats obtenus. Nous avons l'étude de la dérivabilité à droite de 0. On a
limite quand x tend vers 0 plus f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite quand x tend vers 0 plus. Si x est supérieur strictement à 0, f de x égale x moins 3 fois racine de x. Dans l'année, on a f de x, x moins 3 fois racine de x moins f de 0. F de 0, on va dire que c'est bien là, il y a un indice supérieur ou égal. F de 0, c'est 0. Moins 0 sur x moins 0. Donc, c'est l'hydrode 0 égale limite quand x tend vers 0 plus x moins 3. Et x est indigna ou racine de x fois racine de x. On va faire la racine de x par la racine de x. Après, on dit le fort x moins 3 ou le tertin dit racine de x égale la limite de x moins 3 en 0 plus c'est moins 3 ou la limite de la racine de x en 0 plus c'est 0 plus. Donc la limite de la fonction en 0 plus c'est moins l'infini. Donc la fonction f n'est pas dérivable à droite de 0. La limite n'est pas finie. Moins l'infini. Pour l'interprétation géométrique, la limite plus l'infini ou moins l'infini, on dit que C de F admet une demi-tangente verticale au point A. On a la limite 0, 0, F de 0. F de 0, il y a 0. Donc, au point O. Quand on a dit que la demi-tangente elle est dirigée vers le haut ou là vers le bas. Et quand on a dit le point O, la demi-tangente est maradicante comme ça, dirigée vers le haut, et maradicante comme ça, dirigée vers le bas. On va voir les deux signes, et les canaux de même signe, la demi-tangente est dirigée vers le haut. Il y a deux signes différents, plus ou moins, elle est dirigée vers le bas. Donc, la demi-tangente est dirigée vers le bas. Donc, on écrit C de F admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point O. Et là, on a la demi-tangente. Le point O est la demi-tangente, elle est verticale dirigée vers le bas. Il y a un radical rectangle. Donc, le graphe de la fonction f au voisinage de 0 à droite, radical rectangle. Même s'il y a de la demi-tangente. Comme ça, là. D'abord, on a la dérivabilité à gauche de 0. On a limite quand x tend vers 0 moins f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite quand x tend vers 0 moins f de x sinus de x sur 1 plus sinus de x f de 0, il y a 0, déjà c'est bien là, sur x moins 0, il y a x, égale limite quand x tend vers 0 moins sinus de x sur 1 plus sinus de x fois 1 sur x, égale limite quand x tend vers 0 moins sinus de x sur x fois 1 sur 1 plus sinus de x.
limite de sinus de x sur x en 0 moins égale 1. Limite de sinus de x en 0 moins égale 0. Donc, limite de 1 sur 1 plus sinus de x en 0 moins égale 1. Donc, à la limite égale 1. Car limite quand x tend vers 0 moins, le sinus de x sur x égale 1 et limite quand x tend vers 0 moins, il y a 1 plus sinus de x égale 1. Donc la fonction f est dérivable à gauche de 0. Et on a f' indice g de 0 égale 1. Il y en a de la limite, rajoutez-le, c'est 1. Pour l'interprétation géométrique, C de F admet une demi-tangente T indice G au point similaire à A, offsol de la OA0, l'offsol de la OA F de 0. F de 0, c'est 0. Donc, tout simplement, il y a le point O. Au point O, d'équation donnée par Y égale f' indice g de 0, x moins 0, plus f de 0, et x inférieur ou égal 0. Il y en a d'amine à gauche de 0. F de 0 égale 0, il y en a un haïdou amnena. F' indice g de 0, il y a 1. 1 fois x moins 0, c'est x. Question 3a. Calculer f' de x pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puis pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0. On a pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale x moins 3 racine de x prime égale x moins 3 prime fois racine de x plus x moins 3 fois racine de x prime égale la dérivée de x moins 3 il y a 1, 1 fois racine de x il y a racine de x plus x moins 3 fois la dérivée de la racine de x, il y a 1 sur 2 racine de x égale غادي نوحد المقام 2 racine de x, racine de x fois 2 racine de x, il y a 2x plus x moins 3. 2x plus x, il y a 3x, 3x moins 3. Et on a, pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0, f' de x égale sinus de x sur 1 plus sinus de x prime égale 1 plus sinus de x au carré sinus de x prime fois 1 plus sinus de x moins sinus de x fois 1 plus sinus de x prime égale 1 plus sinus de x au carré. La dérivée de sinus de x est cos x. Cos x fois 1 est cos x plus cos x fois sinus x moins sinus x, la dérivée de 1 est 0, la dérivée de sinus de x est cosinus x. Et donc on a un sinus x fois cosinus x. C'est-à-dire que je vais vous dire,
cos x sur 1 plus sinus de x au carré. Question 3b, dresser le tableau de variation de f. Parce qu'il faut les variations de f, redresser le signe de f prime. F prime de x égale 3x moins 3 sur 2 racine de x si x est supérieur strictement à 0. Et f prime de x égale cos de x sur 1 plus sinus de x au carré si x est supérieur strictement à moins pi sur 2 et inférieur strictement à 0. Nous avons l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0. Et nous avons cette juste ratée, f prime n'est pas défini 0. La fonction f n'est pas dérivable en 0. Sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0, on a f prime de x égale cos de x sur 1 plus sinus de x au carré. Et dans l'échara de f prime de x, il y a l'échara de cos de x. Le cos est strictement positif sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0. Si x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0, cos de x, et dans l'échelle de f' de x, il y a plus. Elle a de l'intervalle. Donc, je fais l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale 3x moins 3 sur 2 racine de x. 2 racine de x, elle est strictement positive, elle a de l'intervalle. Donc, l'échara de f' de x, c'est l'échara de 3x moins 3. 3x moins 3 égale 0 équivaut à x égale 1. Et donc, 3x moins 3, c'est 1. Et donc, on dira 1 là. L'échara de 3x moins 3, elle est positive, là, elle est négative. Donc la fonction f va être croissante, ou là, décroissante, ou là, croissante. Là, on dira la limite au moins pi sur 2 plus, qu'on a là, la limite de série moins l'infini. Et là, on dira f de 0, f de 0 est 0. Et là, on dira f de 1, f de 1 est 1 moins 3 fois racine de 1, il y a moins 2. Et là, on dira la limite de f en plus l'infini, qu'on a le prénom plus l'infini. Question 3c, déterminer l'équation de la tangente delta à c de f au point d'abscisse 3. On a l'équation d'l delta, il y a y égale f' d'l 3, x moins 3, plus f de 3. On dit que f' d'l 3, f d'l 3, comme f prime d'L3 égale, redin à 3 fois 3 moins 3 sur 2 racine de 3 égale 6 sur 2 fois 1 sur racine de 3, il y a 3 sur racine de 3 égale racine de 3. F d'L3 égale 3 moins 3 fois racine de 3 égale 0. Alors, delta, l'équation de delta, il y a y égale racine de 3, x moins 3 plus 0, il y a racine de 3, x moins 3 racine de 3. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.